Éternel Kasumbalé, ça vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagna. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être que tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes de famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes étaient là pour empêcher la barque d'avancer, mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou le 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse. C'est pasteur Caleb Lombagna Sambi. Pasteur Caleb Lombagna Sambi. C'est le pasteur de l'église Dieu d'Alliance. C'est un homme des alliances. Alliance. Alléluia. Amina. Vous savez bien aimé ce que j'aime avec l'alliance. C'est que l'alliance va au-delà de nous les hommes. L'alliance est quelque chose qui dépasse même la vie de l'homme. Dieu un jour a dit à David, à cause de mon alliance avec toi, même si tes fils s'éloignaient de moi, non, ça ne sera pas avec une verge de fer, mais avec une verge de bois que je les ramènerai. Donc, ce qui fait que l'alliance subsiste. Abraham est parti, mais l'alliance subsiste. David est parti, mais l'alliance subsiste. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Nous, notre alliance, ce n'est pas avec Abraham, ce n'est pas avec David. Notre alliance est avec Jésus, le Dieu de la nouvelle alliance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous a mis dans cette alliance? Et je sais que pendant ces trois jours, c'est-à-dire aujourd'hui, demain et dimanche dans nos deux cultes, Dieu va traiter alliance avec quelqu'un. Dieu ne parle jamais à vain bien-aimé. Lorsqu'il envoie sa parole, il a des objectifs à atteindre et sa parole ne retournera jamais à lui sans avoir accompli ses desseins. Donc tu as bien fait d'être là. Et je sais que tu vas bien manger. Je crois que les autres présentations, il va continuer. Je sais qu'il est marié à une merveilleuse épouse. Nous aimons l'appeler Maman Nana. Une servante de Dieu. Une femme de feu. Je crois qu'un jour aussi, elle nous visitera aussi. Parce qu'il n'y a pas papa sans maman. Donc nous attendons aussi, elle viendra. Et elle ne manquera pas de nous bénir. Alors, quand nous appelons l'homme de Dieu à venir prendre la chair, nous acclamons la parole. Pasteur Caribou. Alléluia. Amina. Frères et sœurs, j'ai la joie de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Hein? Et je rends vraiment grâce au Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde pour la toute première fois de venir prier ensemble avec vous. Réellement, c'est un privilège pour moi. Dieu qui me fait cette grâce de venir voir l'œuvre qu'il est en train d'accomplir au milieu de vous. Et sincèrement, j'apprécie l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir au milieu de vous. J'aimerais aussi dire sincèrement merci au pasteur Richard.
confiance, c'est quelque chose qui ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui peut me donner, malgré que je ne connais pas le pasteur Richard, qui peut me donner à le faire confiance. Parce que nous travaillons pas dans les champs d'un homme, nous travaillons dans les champs de Dieu. Nous servons le même Dieu. Nous avons un même sauveur. Et c'est le même esprit qui nous conduit nous tous. Je ne sais pas si Pasteur Richard m'a déjà entendu prêcher, mais il m'a fait confiance. Ça me touche, Pasteur. Et j'apprécie beaucoup ça. Les prédicateurs disent toujours que la chair de l'église, elle est chair. Et on ne peut pas la céder à n'importe qui. Mais je crois que le Dieu en qui le pasteur a fait confiance, c'est le Dieu qui va marcher avec nous pendant ces 3 jours de séminaire. Et pour ça, je le bénis sincèrement. Alors Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce thème, appelé pour influencer le monde. Maman, le monde. Mama dunia. C'est cet homme qui est ton mari. Ni ule mundu anakuwa na bwana. Qui est ton mari? Cet homme qui est ton mari. Yule mundu mume wako. Ni ule mundu anakuwa mume wako. Le monde, ce sont tes enfants, les enfants que Dieu t'a donnés. Le monde, ce sont tes frères et sœurs de la famille. Ce mari qui ne connaît pas encore Christ. Ces enfants qui ne sont pas encore convertis. Tes frères et sœurs de la famille que tu connais mais qui ne sont pas encore convertis. Le monde, ce sont tes connaissances, frères. Tes collègues avec qui tu étudies, avec qui tu travailles. Lesquels collègues ne connaissent pas Christ? Lesquels collègues ne sont pas convertis? Ils ne sont pas encore nés de Dieu. Le monde, ce sont ces gens qui peuplent ton quartier. Le monde, ce sont ces hommes et ces femmes qui peuplent ta ville, qui peuplent ta province. Le monde, ce sont ces gens qui sont dans ton environnement proche, qui sont dans ton environnement éloigné. Des hommes qui ont la même couleur que toi. Des hommes qui n'ont pas la même couleur que toi. Des hommes qui sont avec toi dans un même pays, dans un même continent, ou dans d'autres continents, créés à l'image de Dieu, mais qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas Christ comme sauveur et Seigneur dans leur vie. Le monde, c'est ces hommes qui n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. C'est de ce monde que je suis venu te parler. Et tu es dans ce monde. Tu habites avec ces gens-là. Tu es au milieu de ces gens. Après ta conversion, Dieu ne t'a pas ôté du milieu d'eux, mais Dieu t'a laissé au milieu de ces hommes et ces femmes qui ne sont pas encore convertis, appelés à influencer le monde. Appelés. Qui est appelé?
C'est la personne qui ce soir a décidé de me prêter oreille. Ou c'est la personne que Dieu a disposée à venir écouter cette parole. Qui est appelé? Premièrement, je vois cet homme, je vois cette femme, je vois ce jeune homme ou cette jeune fille qui autrefois vivait comme il voulait, comme elle voulait, mais il va arriver quelque chose dans sa vie. Ce frère ou cette soeur va rencontrer la parole de la vérité, la parole de Christ. Alors cette parole l'a révélé son état de péché. Et ce frère et cette soeur a compris que nous tous nous sommes perdus. Nous tous nous avons péché. Et nous sommes perdus. Et le salaire du péché c'est la mort. Et la même parole a révélé à ce frère, à cette soeur, que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et cette parole a défié ce frère, a défié cette soeur, en disant à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je crois que tu es ce frère, tu es cette soeur qui a écouté cette parole et qui a répondu favorablement, qui a confessé de sa bouche, comme il est dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Je parle à ce frère et à cette soeur qui a écouté la parole de Christ et qui a reçu cette parole en confessant Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Qui est appelé? Premièrement, cette personne-là qui a fait de Christ son sauveur et son Seigneur. Alors si c'est toi, cette parole te concerne. Dieu t'appelle à influencer le monde. Et j'ai défini le monde. Dieu t'appelle à influencer ton mari qui n'a pas encore Christ, ta femme qui n'a pas encore Christ, tes frères et soeurs de la famille, tes collègues, tes connaissances, les gens qui sont dans ton environnement, environnement social, environnement économique, environnement je ne sais lequel, ces gens qui sont dans ton environnement qui ne connaissent pas Christ, Dieu t'appelle, toi qui es converti, à pouvoir influencer ces gens-là. Qui est-ce que Dieu appelle? Peut-être tu es là ce soir, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, mais tu es en train d'écouter cette parole. Cette parole, elle te concerne. Non seulement que Dieu veut ton salut, Dieu veut ta conversion, mais désire après ta conversion que tu sois un instrument entre ses mains. Alors ce soir, j'ai une mission, par l'aide du Saint-Esprit, d'enrôler ne fût-ce qu'une personne, de donner cette commission à ne fût-ce qu'à une seule personne. Celui qui va dire oui Seigneur, mais voici, je vais répondre à cet appel. Ce vrai, je suis converti. J'ai donné ma vie à Christ. Chaque dimanche, je viens à l'église. Le cahier enseignement, je suis là. Mais m'élever. La kini kwamka. Amen. Mais lakini, jamais kamwe, je n'ai joué ce rôle d'influencer. Mais voici Seigneur, enrôle-moi dans ton armée afin que moi aussi pia, je puisse jouer ce rôle ikazi, de pouvoir influencer. Matokeo. Influencer. Matokeo. Influencer. Matokeo. Papa Richard. Papa Richard, une jeune fille, Binti, avec sa famille,
se déplace d'un quartier pour aller dans un autre quartier. Alors comme vous savez, quand il y a des nouveaux venus dans le quartier, ils intéressent presque tout le monde. Surtout les jeunes filles. Tous les jeunes garçons. C'est la nouvelle venue. Exceptionnellement, elle était aussi belle. Alors tout jeune quartier, ça, les jeunes gens du quartier ça, voulaient être derrière cette jeune fille. Tous les jeunes gens du quartier, ils ont commencé à aborder la jeune fille. Maintenant, quelque chose va arriver. C'est que presque la plupart des parents, des jeunes gens qui abordaient la jeune fille, font faire un constat. Il faut remarquer que leur enfant garçon, quelque chose était arrivé dans la vie de leur enfant garçon. Et ils ont commencé à chercher à savoir, mais comment nos enfants, comment mon fils, qui priait, il commence à prier. Et quand il prie, il est en train de dire des histoires que je ne comprends pas. Le papa se rend compte que non, ce n'est pas. Le cas là n'était pas unique seulement chez lui. Chez l'autre. Il ne comprenait pas. Un phénomène nouveau est arrivé dans la vie de leurs enfants. Et ils se sont informés que non, c'est la nouvelle fille qui est venue dans le quartier. Les parents sont allés voir cette jeune fille pour lui dire, toi tu es venu ensorceler nos garçons. Nous ne voulons plus te voir avec nos garçons. Papa, qu'est-ce qui s'était passé? Cette jeune fille était saine et lumière. Cette jeune fille, elle était convertie. Elle était remplie du Saint-Esprit. Alors chaque fois que les garçons l'abordaient, c'était pour elle une occasion de prêcher l'évangile. Elle a su gagner ses garçons. Elle a prié pour les garçons. Elle les a imposé les mains. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler à l'âme. Le mode de vie a changé. Voilà un exemple d'un chrétien qui exerce une influence. Est-ce que tu peux faire comme ça? Je prie que le Dieu de toute grâce puisse enrôler quelqu'un dans son armée. Dieu t'appelle. Aide-moi à dire à 2, 3, 4 personnes, c'est toi qui as appelé. C'est toi qui as appelé. Please, parle avec moi. Parle, dis, l'appeler là, c'est toi. L'appeler c'est toi. L'appeler c'est toi. Même si tu n'as que 2 jours dans la foi, même si tu n'as que 1 année dans la foi, j'aimerais que tu dises c'est moi l'appeler. Et tu n'as pas besoin d'être spécial pour être l'appeler de Dieu. J'ai dit tu n'as pas besoin d'être spécial. Tel que tu es, Dieu t'appelle. Reçois seulement l'appel. Dis seulement oui à l'appel. Dis seulement mais voici. Qui appelle? Celui qui appelle, ce n'est pas un homme. Je ne parle pas de l'appel lancé par un homme. Je parle de Dieu qui appelle. Vous savez, Dieu, il peut influencer le monde lui-même. Il le fait déjà. Mais Dieu veut travailler avec un homme. Dieu veut travailler avec une femme. Dieu a toujours travaillé avec des hommes. Il a travaillé avec Abraham. Il a travaillé avec Isaac. Il a travaillé avec Jacob. Il a travaillé avec Moïse. Il a travaillé avec Josué. Il a été avec les juges. Il a été avec des prophètes. Il a été avec Élie. Il a été avec Élisée. En 2022, je vais être avec quelqu'un. Si c'est quelqu'un, c'est toi. Dis, mais voici. Dieu peut agir lui-même.
Dieu peut le faire. Mais regarde, Dieu te fait ce privilège. Dieu fait ce privilège à quelqu'un. Tu n'es pas meilleur plus que tes pères. Tu n'es pas excellent. Tu ne réunis pas toutes les qualités. Dieu ne t'appelle pas parce que tu parles français, parce que tu parles bien swahili, parce que tu parles anglais. Dieu ne t'appelle pas parce que tu es directeur. Tu as tellement marqué Dieu, c'est alors que Dieu t'appelle. Personne n'a marqué Dieu, mais Dieu nous lance un appel par grâce seulement. Je dis, Dieu nous lance l'appel par grâce. Et notre Dieu ne fait accession de personne. J'ai dit, Dieu ne fait accession de personne. Si tu n'es pas l'appelé des hommes, ce soir écoute cette parole. Tu es l'appelé du Tout-Puissant. Si tu n'es pas le choix des hommes, ce soir écoute cette parole. C'est toi qui es le choix de Dieu. Je ne connais pas de choix. Je connais un seul choix. Ce choix-là, si c'est toi, dis alléluia. Moi je dis alléluia. Moi je dis alléluia. C'est une grâce que Dieu ait porté ses regards sur moi et m'ait lancé un appel. Jésus a dit à Pierre, viens et suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'or. Ce soir, Dieu est en train de dire à quelqu'un, toi aussi, viens, suis-moi. J'ai une mission à te confier. J'ai un travail à te confier. J'ai un mandat à te donner. Spécial qui ne vient pas des hommes mais qui tu viens du ciel, que quelqu'un dise, Seigneur, me voici. Ne commets pas l'erreur et refusez de dire oui à l'appel de ton créateur. Je suis venu supplier quelqu'un. Ne commets pas l'erreur de refuser ou de repousser à demain. Ou repousser ça à 5 ans. Ne dis pas, je suis encore trop jeune, que je jouisse de la vie. Quand je serai marié, ou quand j'aurai les enfants, c'est alors que je dirai oui à la paix du Seigneur. Ne commets pas cette erreur. La Bible dit ceci, quand tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. C'est maintenant qu'il faut dire, Seigneur, me voici, j'accepte d'être enrôlé dans ton armée. Vous savez, c'est vraiment un privilège de travailler pour Dieu et de travailler avec Dieu. C'est Dieu qui appelle et Dieu appelle qui il veut. Il a appelé quelqu'un comme Moïse. Moïse dit à Dieu, Seigneur, c'est comme si tu n'as pas toutes les informations sur moi. Moi j'ai des difficultés à parler. Je n'ai pas un langage facile. Mais c'est cet homme qui avait un langage difficile que Dieu va utiliser, mon Dieu. Il y avait des bons parleurs en Israël. Il y avait des gens qui avaient un langage facile. Mais qu'a fait Dieu? N'allez que vers ce Moïse. Tu es le choix de Dieu. Tu es un choix réfléchi. Tu es un choix réfléchi. Dieu ne t'a pas choisi par accident. Personne n'a conseillé Dieu de t'adresser cet appel. Tu es le soir réfléchi, médité de Dieu. Je peux dire ça, me tromper. Dieu a trouvé la personne qu'il faut. My God. J'ai dit, Dieu a trouvé la personne qu'il fallait. Et cette personne, c'est toi. J'ai dit, Dieu a trouvé la personne qu'il fallait. Et cette personne, c'est toi. On peut te regarder et critiquer, mais je vais te tuer l'assurance. Je n'ai pas entendu la voix d'un homme, mais j'ai entendu la voix de mon créateur. C'est lui qui m'a lancé l'appel. L'appel que j'ai, je l'ai de Dieu. Quoi que ça peut passer par les hommes. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? C'est Dieu qui appelle. Appelez bien.
bien-aimés frères et sœurs. Alors appelez pour faire quoi? Appelez pour influencer. Appelez pour influencer. Appelez pour influencer. Tu vas me dire, pasteur. C'est ma pasteur. C'est étrange ce que tu me dis. C'est étrange ce que tu me dis. Moi, je sais que Dieu m'a appelé ou chanter. Mais si ton ministère de chant n'influence pas, Dieu me dit, moi, Dieu m'a appelé à prêcher. Mais si ton ministère de prédication n'influence pas, à quoi sert-il? Dieu m'a appelé à être un intercesseur. Mais montre-nous les résultats de ton intercession. Mais depuis que tu as commencé à intercéder, est-ce que tu as exercé une influence? Même dans le monde démoniaque, même dans le monde satanique, est-ce que tu as porté une influence? Pasteur, Dada. Pasteur, Pastori. Moi je suis un bon chrétien. Tout le monde sait que je suis un chrétien. On m'appelle même pasteur. Mais pour quelle influence? Depuis qu'on t'appelle chrétien, depuis qu'on t'appelle pasteur, mais combien de gens ont été influencés par ta vie? Combien de gens? Je ne vais pas porter la colle pastorale sans résultat. Je ne veux pas qu'on m'appelle berger, mais derrière moi, il n'y a pas de troupeau. Dieu t'appelle à influencer. Influencer le monde. Ce n'est pas peu. C'est pas peu. Aina kiloko. C'est pas peu. Aina kiloko. Dieu t'appelle. Mungu anakuita. Dieu m'appelle moi. Mungu ananiita mimi. À influencer. Nikuwa na matokeo. Le monde. Lakini mon environnement. Mazingira yangu. Le plus proche. Ya karibu. Même le plus éloigné. Hata ya mbali sana. Ah! Alléluia. Dieu veut par moi. Mungu anapenda kupitia mimi. Toucher. Mwili yo. Les gens. Ibadilike. De toute langue. Na bantu ba. De toute tribu. Bantu ba kabila. De tout peuple. Bantu ba taifa. De tout niveau de vie. Influencer ces gens-là. Quand on parle d'influencer, premièrement, influencer veut dire imposer son autorité. Imposer son autorité. Imposer son autorité. Tu peux avoir une autorité. Mais quand on ne t'obéit pas, tu as échoué d'influencer. Quelqu'un qui influence, c'est une personne qui impose son autorité. Et dans ce monde ici, il y a beaucoup d'exemples. Des hommes et des organisations qui influencent. Quand vous prenez l'organisation des pays arabes, producteurs du pétrole, ces individus ne sont pas majoritaires. Ils sont un petit nombre. Mais ces gens-là, ils sont en mesure d'imposer leur autorité aux Congolais qui se trouvent à Kasumbalesa. Si ces gens se décident d'hausser le prix du pétrole, le monde entier
tu as subi ça. C'est pas vrai? J'ai dit, c'est pas vrai? Si ces gens décident que cette année, pendant 3 mois, aucun d'entre nous ne fournira le pétrole au monde entier, le monde entier va souffrir. Nous aurons des véhicules, mais qui seront seulement dans nos garages. Pourquoi? Parce qu'un petit nombre de gens qui ont le pouvoir d'influencer le monde dans le domaine du pétrole, ils ont pris une décision. Et en matière de pétrole, nous tous nous dansons au rythme des caprices de ces gens-là. Qui que vous soyez, que vous soyez président, que vous soyez premier ministre, que vous soyez PDG, même si vous avez des milliards, si ces gens-là décident, le litre du pétrole, ça sera vendu à $20, même si vous êtes milliardaire, vous payerez à $20. Exemple d'influence. Ce qu'on appelle le G8. Il est banalité à G8. Ou le G20. Ah, au G20. Nous connaissons ces histoires. Nejua. Ces gens-là, Baleban. Ils ne sont pas minoritaires. Abana ab. Beko kiloko. C'est quelques individus, papa. Baleban tu kiloko. Quand ils se réunissent, wakati banaji, le monde entier bouge. Dunia muzime atingizika. Le monde marche au rythme de leurs caprices et leurs décisions. Ces gens-là de V8 ou de V, je ne sais pas, G8 ou G20. Balebantu ba G8, G20. S'ils se décident aujourd'hui que finit les guerres au Congo, ya kusema vite naisha ku Congo. Rebâtissons le Congo. Papa, ça ne va pas traîner. Et je prie mon Dieu à moi qu'il touche ces gens-là. Parce que Dieu est capable de changer leur cœur en exaucement nos prières. En exaucement des prières de l'église. Dieu est capable de toucher 1, 2, 3, 4 parmi eux. Dans les réunions là, ils disent à partir d'aujourd'hui, nous enlevons la main sur les richesses du peuple congolais et que ce peuple lui-même juste de ses richesses, nous allons les traiter comme un partenaire. Je croyais qu'il y avait des Congolais ici qui pouvaient dire Alléluia. Ta prière doit influencer. Je te donne déjà un sujet de prière. Quand tu pries pour le Congo, dis Seigneur, tous ces gens-là qui influencent la politique de notre pays, tous ces gens-là qui disent, hey, mes chers frères et sœurs, quelques personnes, c'est là, quelques personnes, par leur décision, c'est eux qui fixent le niveau, ton niveau de salaire. Tu ne peux pas te révolter. Est-ce que tu ne peux pas te révolter? Ça, c'est l'exemple d'influence. Des gens qui imposent leur autorité, leur volonté. Et ils ont tous les moyens. Si vous n'obéissez pas, ils ont tous les moyens pour vous amener à pouvoir obéir. Oh, je prie notre Père qui nous délivre d'influence négative. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus? Dieu est capable. Je dis Dieu est capable de nous délivrer de l'influence satanique. Il a délivré Israël de l'influence de Pharaon. C'est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est capable. Dieu est capable. Si ces gens ne veulent pas, Dieu est capable de les imposer en exaucement à ta prière. J'ai dit Dieu est capable de les imposer. Vous savez, Dieu est capable de faire quoi? Pendant qu'ils prennent nos richesses au prix du sang de nos compatriotes, dès qu'ils sortent avec les richesses, le coltan perd sa teneur. Sa teneur. Donne-moi un grand amen. Amina. J'ai dit Dieu est capable
un exaucement à ta prière. D'imposer son autorité sur les gens qui ne veulent pas lâcher. Tu ne veux pas lâcher ta grande destinée. Tu es capable de les imposer. J'ai dit, tu es capable de le faire. Dieu, c'est même ma prière. Permettez-moi, pasteur, de faire cette prière du haut de cette chair. Cette chair qui est à Kasumbalesa, le poste frontalier, où les choses sortent, où les choses entrent. Qu'il me soit permis de déclarer toutes ces richesses qui sortent. Parce qu'on nous a imposé, au nom de Jésus, que Dieu enlève la substance. Quand ils verront ça, ils diront le Dieu des Congolais, il est un Dieu puissant. Parce que nous, on n'a pas les armes pour arrêter ça. On n'a pas d'armes. Ils nous ont imposé des embargos. Ils nous ont imposé des embargos. On n'a pas d'armes. On n'a pas de Kalachnikov. On n'a pas d'armes. Ils ont dit fou, non, pas les armes. Mais au moins nous avons Dieu. Nous avons la Bible. Nous avons l'autorité spirituelle. Ce que tu lieras dans le ciel, ça sera lié. Sur la terre, ça sera lié. Que l'église se lève. Et que l'église dise, à partir d'aujourd'hui, nous en tant qu'église, nous déclarons toute richesse qui sortira de notre pays, qui n'a pas été bien négocié avec nous, nous déclarons ces richesses-là, ça deviendra de la poussière. Bien aimé, je vous dis, Dieu va écouter un jour ma prière. Un jour, Dieu écoutera ma prière. Ils mettront les coltans dans leur téléphone. Ils seront surpris. Les téléphones vendus dans le monde entier sans coltan véritable. Je vous prêche un Dieu de phénomène extraordinaire. Dieu est capable. Je dis Dieu est capable. Nous ne servons pas un petit Dieu. Nous servons un grand Dieu. Nous servons un Dieu extraordinaire. Je dis nous servons un Dieu extraordinaire. Bien aimé, je déclare tous les comptoirs à l'est. Nos frères tombent, meurent chaque jour. Il n'y a pas d'avocat. Personne ne parle à leur faveur. En tant que serviteur de Dieu, je déclare le Dieu qui nous a donné les richesses. Papa, enlève la substance. Enlève la substance. Il y a un homme de Dieu dans son pays. Il y avait beaucoup de serpents. Son pays était attaqué par beaucoup de serpents. Cet homme va se lever. Il va faire une prière. Seigneur, je déclare notre pays sans serpent. Sans serpent. Papa, quelques temps après, on a remarqué la disparition des serpents dans leur pays. Appelé à influencer. Appelé à influencer. Si nos prédications ne produisent rien, nous devons rentrer auprès de Dieu. Si nos chants ne produisent rien, le temps est arrivé, rentrons auprès de Dieu. Si nos prières ne produisent rien, ou ça produit seulement les petites choses, rentrons auprès de Dieu. Écoutez-moi. Qui a bétonné nos prières? Nos prières, c'est seulement pour donner du travail au chômage, donner le mariage au célibataire. Nos prières sont bétonnées seulement là-bas. Toutes nos requêtes de prières, c'est pareil partout. C'est bloqué quelque part. Mais qui est venu bloquer? Que Dieu nous visite et que Dieu nous donne à avoir une grande influence. Je suis venu te parler. Dieu m'a envoyé pour parler à quelqu'un
Dieu me dit de dire à quelqu'un, Dieu veut étendre ta sphère d'influence. Dieu m'a envoyé que je dise à quelqu'un, je m'élève dans ta vie, je veux t'accorder à influencer. Ça ne sera ni par ta force, ça ne sera ni par ta puissance, mais ça sera par mon esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, par moi, exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Dieu t'appelle toi. Dieu m'appelle moi. Dieu t'a choisi. Dieu veut imposer son autorité à ton environnement. Dieu veut imposer son autorité. Son autorité. Autorité. Mamulaka. Autorité. Mamulaka. Papa. Baba. Ce que tu as déjà vu. Bilone chakuona. Ce n'est pas tout ce qu'il y a. Aina njobi ote bile bikuako. Dieu veut manifester. Mungu ampenda konesha. Son autorité. Uwezo wake. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui ordonne et la chose à s'accomplir. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il parle des choses qui ne sont pas là, comme si elles sont déjà là. C'est Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fiche. Dieu veut manifester son autorité par toi. Seigneur, moi je me présente devant toi. Même je veux que tu m'utilises, papa, afin de manifester ton autorité. Dieu a autorité sur toutes choses. Dieu a autorité sur ce qui est visible. Dieu a autorité sur ce qui est invisible. J'ai dit Dieu a autorité sur ce qui est visible. Il a aussi autorité même sur ce qui n'est pas visible. Jésus a manifesté son autorité sur la mer. Il a marché sur la mer. Il a marché sur la mer. C'était pour montrer qu'il a autorité sur toutes choses. Dieu veut amener quelqu'un à nager dans une dimension d'exercice d'autorité. J'ai dit, Dieu veut amener quelqu'un à nager. Dieu veut introduire quelqu'un dans une saison d'influence extraordinaire. Tu ne chanteras pas seulement, mais en chantant, l'autorité de Dieu sera imposée dans le cœur, dans le passé, dans la vie des gens, dans la maison des gens. L'autorité, même si tu n'es pas là, mais Dieu va utiliser ta voix. Les gens sentiront son autorité. Oh my God. Le Seigneur utilise-moi. Le Seigneur utilise-moi. Dieu va utiliser ton corps. Même sans prédication. Dieu va utiliser ton corps. Afin de manifester son autorité. L'autorité de son Christ. Écoutez-moi. Christ, ce n'est pas un petit monsieur. Le nom de Jésus, ce n'est pas un petit nom. Le diable tremble devant le nom de Jésus. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, nous prononçons le nom de Jésus. Mais c'est comme si on mange les cacahuètes. Parce qu'il n'y a plus de gens au travers desquels l'autorité du nom de Jésus est réellement manifestée. Seigneur, me voici. Utilisez-moi. Le nom de l'Éternel. Il est puissant pour faire enfanter une biche. Une biche qui est sur le point d'enfanter. Quand elle entend parler du nom de l'Éternel, immédiatement, elle reçoit la force d'expulser un bébé. My God!
jour, chikumoya, les disciples de Christ, manafunzi ba Christ, il est traversé, baranza kutambuka, Christ dormait, Christ oranza kulala, lui un vent, na kwa pepo, un vent impétueux, pepo kubwa, qui menaçait la barque. Yenye ranza kushambuli ya chombo. Les disciples étaient agités. Banafunzi batingizwa. Mais lui, lakini yeye, aranza kulala. Tranquille. Mukimia. Ses disciples vont les réveiller. Banafunzi baenda kumulamusha. Maître, ça ne te fait pas de mal. Haikufanyeshe bibaya mwalimu. Voir que nous sommes en train de périr. Kuone hivi tuko napotea. Toi tu es là tranquille. Wewe uko pale kimya. L'homme qu'on appelle Jésus. Ule mtu banaita Yesu. Il s'élève. Anashimama. Sans cérémonie aucune. Pasho ata mambo yoyote. Il n'a pas dit à Pierre. Pietro. Tu sais que hier je n'avais pas veillé. Pourquoi tu me demandes une chose comme ça? Il n'a pas dit. Laissez-moi, donnez-moi d'abord quelques heures que j'intercède. Il n'a pas dit ça. L'homme qu'on appelle Jésus. Il s'élève. Il regarde le vent. Et il fait ses noix. Et la Bible dit, il y a le calme sur le peuple. La mer, ce n'est pas une rivière. Aina muto. La mer, ce n'est pas une rivière. Ile maji aina kamuto kaloko. Et le vent qui se lève sur la mer, papa, c'est une tempête, c'est une barque. Si ça bouge la barque, donc ça a une puissance, ça a une force. Mais l'homme qu'on appelle Jésus, Jésus de Nazareth, il se lève sans cérémonie, il fait seulement. Et la Bible dit, ses disciples le regardaient. Et qui est celui-ci? À qui obéit même les vents. Papa, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu fasse grâce à l'église. Combien de choses nous obéissent aujourd'hui? Combien ça nous obéit? Combien de choses nous obéissent? Nous organisons 30 jours de jeûne et prière. Une bonne chose, moi j'aime ça. J'aime ça. J'aime les moments de prière. Mais 30 jours, 40 jours, pendant lesquels nous sommes en train de donner des ordres. Mais combien on a obéi à ces ordres? Bingapi. Namona yo Yesu we. Namona yo. Il est vivant Jésus. Yeah, il est vivant Jésus. Il est vivant. Influencer veut dire imposer son autorité. Si nous pouvons dire nous avons une autorité, cette autorité ne vient pas de nous. C'est son autorité à lui. Il va envoyer ses disciples à leur donner autorité sur les esprits impurs. Il leur donna le pouvoir pour guérir les malades. Ces gens sont partis. Quand ils sont rentrés, Seigneur, les démons nous étaient soumis. Ils ont vu l'autorité. Ces gens qui n'avaient pas d'autorité, ils pouvaient dire, démons sort et les démons sortaient. La question que je te pose, combien de démons tu as déjà chassé dans ta vie? Combien? Ngapi? Notre autorité, Mamulaka, ça ne vient pas de nous. Ça vient de lui. Et je prie que quelqu'un grandisse encore en autorité. En autorité du Seigneur. Je te dirai pendant ces 3 jours, si Dieu le permet, comment tu peux grandir dans l'autorité. Tu peux être petit en taille, en âge, en niveau d'études.
Jésus de Nazareth, il sort de la barque, il met ses pieds sur un territoire qu'on appelait d'une manière particulière le territoire de Gadaréen. Quand il met ses pieds sur ce territoire, papa, quel est le cortège qui vient accueillir Jésus? Ce n'était pas le gouverneur de cette ville, ce n'était pas le maire de cette ville, mais ce jour-là, la véritable autorité de la ville est venue présenter ses civilités. Papa, quand le président arrive, c'est l'autorité première de la ville qui doit être le premier pour l'accueillir. Celui qui va rouler le tapis pour que le président marche. Mais ce jour-là, aucune autorité militaire. Mais c'est seulement ce possédé de Gadara. Cet homme qu'on liait qui brisait les chaînes. Cet homme qui dormait dans les cimetières. C'est cet homme qui est venu le premier. C'est jeté aux pieds de Jésus. Et lui, c'est qu'est-ce que tu es venu faire? Pourquoi venu nous tourmenter? Les démons ont leur manière de présenter leur civilité. Les démons ont leur manière de présenter leur civilité. Ils n'ont pas acclamé Jésus. Mais ils sont venus. Ils sont venus se jeter. Et puis après, les gens de la ville, ah, Jésus, on ne veut pas de toi, sors. Papa, tu vois, quand les oppositions arrivent dans ta ville, les combats arrivent dans ta ville, tu dois comprendre que c'est aussi une manière de dire que les esprits enseignés là sont venus te présenter les civilités. Tu n'es pas n'importe qui, Maïka. Je dis à quelqu'un, cette année, tu dois marcher dans une autre dimension. Une autre dimension d'autorité. Je dis, tu dois marcher dans une autre dimension d'autorité. Et le Seigneur est capable de te donner l'autorité. Sur les diables, les démons, les esprits méchants, les esprits impies, même les légions, tu es capable de te donner autorité sur 100 démons, 1000 démons, 2000 démons, 5000 démons, 10000 démons, 50000 démons, 100000 démons. Je dis, tu es capable, pendant que je parle, que le Seigneur touche quelqu'un et qu'il ajoute l'autorité dans sa vie. Et c'est au nom de Jésus. C'est Dieu qui est la source de notre autorité. C'est pas un homme, c'est Dieu. Regarde à celui qui est à tes côtés. Dis-lui, je vois. 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 Comme dans la vision d'Ézéchiel. Dis-lui, je vois. Dis-lui, je vois. Je vois. Je vois. Un torrent en train de sortir du sanctuaire. Je vois un torrent qui sort de l'autel. Je vois un torrent qui sort de l'autel. Il y a un torrent qui vient t'élever en autorité. Il y a un torrent qui vient élever une maman de l'église parole éternelle. Il y a un torrent qui vient élever un jeune homme, une jeune fille de parole éternelle. Il y a un torrent. Je dis un torrent. L'enfant, je dis un torrent. L'enfant, je dis un torrent. Il y a un torrent qui touche le pied de quelqu'un. Non, est en train d'augmenter. 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 Non, augmente. Non, augmente. Jésus a dit ceci. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et l'eau que je vais lui donner, ça va jaillir jusqu'à l'éternité.
Dis à celui qui est à tes côtés, je vois. Dis-lui, je vois. Dis-lui, je vois. Je vois. Par la foi. Je vois par la foi. L'eau en train de monter dans ta fiche. Je vois. Je vois. Je vois. Dis-lui. Dis-lui. Je te vois marcher. Dans une autre autorité. Dans une autre dimension. D'autorité. Autorité. 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 Tu auras autorité. Sur les choses visibles. Tu auras autorité. Même sur des choses invisibles. Tu auras autorité. My God. Alléluia. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Oh, il est puissant, Jésus. Il est puissant. Il est puissant, Jésus. Prophétise sur quelqu'un. Tu auras autorité sur ce qu'on appelle maladie. Les maladies. Les maladies. Tu auras autorité. Ça dépend de la grâce de Dieu. Ça dépend de l'appel de Dieu. Tu auras autorité sur beaucoup de problèmes. Tu auras autorité sur 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes. Ton niveau d'autorité. Tu ne seras pas seulement ce frère qui se met dans la chaise calmement. Mais fais attention. Il y a des jours qui vont arriver. Il y a des gens qui ne vont plus supporter ta présence. Parce que Dieu va t'amener dans certaines dimensions d'autorité. Jamais rêver. Et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu, des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour cela qu'il aime. Alors avant d'entrer en détail, permettez-moi, je termine la dernière définition et je termine. Quand on parle d'influencer, deuxièmement, c'est diriger selon la volonté de Dieu. Diriger selon la volonté de Dieu. Tu te vois petit dans ta famille. Peut-être que tu es le cadet. Tu n'as pas de voix, tu n'as pas d'autorité. Maman, tu n'as pas d'autorité auprès de ton mari. Dans votre famille, vous n'avez pas d'autorité. Parce que tu es le plus pauvre dans ta famille. Tu es la personne qui n'a pas beaucoup étudié dans ta famille. Personne ne peut t'écouter concernant les choses du monde. Mais écoute ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu veut par toi diriger les gens selon sa volonté. Ton mari qui est comme un lion. Tes parents qui sont comme des lions. Qui ne connaissent pas la volonté de Dieu. Qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Dieu veut par toi diriger ces gens-là selon sa volonté. La ville de Kasumbalesa.
La province du Haut-Katanga, la République démocratique du Congo, la République d'Angola, de la Zambie, la Chine, l'URSS, la Russie, ces gens, ces Chinois, ces Japonais, ces habitants d'Afghanistan qui vivent selon leur volonté, selon la volonté du diable, selon la volonté du monde. Dieu cherche quelqu'un parti. Il va diriger tous ces gens-là dans sa volonté. Dans sa volonté. Qui est-ce que Dieu va utiliser pour amener tous les habitants de Koi, pour amener tous les habitants de Mokambo, pour amener tous ces habitants qui sont dans les villages. Quand ils s'élèvent, ils vont dans les champs, ils rentrent, ils dorment, ils ne connaissent rien de la volonté de Dieu. Mais qui va aller vers ces gens-là pour les diriger selon la volonté de Dieu? Qui va se lever et dire, je veux diriger cette entreprise selon la volonté de Dieu. Influencer, dire, diriger selon la volonté de Dieu. Dieu t'appelle toi afin que par toi il dirige le monde entier selon sa propre volonté. Dieu veut t'utiliser toi afin que par toi il impose au monde entier son autorité. Son autorité. Son autorité. Quand tu as l'occasion d'arriver à l'autorité numéro 1 de cette province, touche le sol. Goussa. Et dit, je proclame l'autorité de Christ. Goussa. Boulongo na seme mina kiri mamulaka ya Christ. Si je peux vous lire un verset. Kamina weza kumi somea mustari moya. Matthieu chapitre 5. Matthieu sura 5. Un texte que vous connaissez très bien. Ni mustari muna jua mzuri. Matthieu 5, à partir de 13, la Bible dit ceci. Biblia, vous êtes le sel de la terre. Dunia, mais si le sel perd sa saveur, avec yake, quoi la lui rendra-t-on? Na nini bate ilurishia, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous savez bien, mes frères et sœurs, on peut bien préparer la viande. On met tomate, on met oignon, on met céleri. Mais quelques gouttes seulement de sel peuvent faire l'affaire. Vous avez déjà expérimenté ça? Tu as déjà expérimenté ça? J'ai dit ceci. Le mets peut être succulent. On a chauffé le poulet, on a mis il y a un petit élément. On appelle le sel. Seulement un peu de sel. Papa, ça va faire la fête. Ce peu de sel là, ça influence la sauce, ça influence les tomates, ça influence les poulets. Seulement les petits sel là, ça fait l'affaire. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, ton environnement, comme aimé, bien préparé, mais tu manques quelque chose. Il manque le sel et Dieu veut que toi, tu sois ce sel. Pourquoi il est chouvi? Qui roule une
belle voiture. Et on a tembe chaque gare et mouzou. Il y a un bon poste. On a couillé un général d'armée. On a couillé un gemadari ou un PDG. On a quoi PDG? Comme le mail là. On a quoi ça il est chargé. Il manque quelque chose. On a poussé à mon kintu kalo. La chose là qui manque. Il est kintu na pousse. C'est la personne qui m'écoute ce soir. Je le monte en chiquia et mangaribi. Alléluia. Ah, tu vois les gens là qui habitent des maisons là. Villa. Qui dorment sur des beaux lits. Là, pas il y a des lits quand tu entres là dedans. Ça suit la forme de ton corps. C'est pas comme nos lits nous quand on dormait là sur la paille. Hein? Tu te lèves, ça te laisse des traces ici. Il y a des lits, tu dors là dedans. Ça respecte ton corps. C'est comme si ça te masse. Ce monde, il y a des choses. Hein? Ça présente bien. Mais Dieu sait que là, il manque le sel. Dieu sait qu'il manque le sel. Il manque le sel. Et si le sel n'arrive pas, très bientôt là, il y aura la putréfaction. Il y aura la pourriture. Des gens qui pourrissent malgré leur gloire, malgré leur pouvoir, malgré leurs moyens. Ils ont marché 10 ans, 20 ans, on les a honorés, on les a respectés, on s'inclinait même quand ils marchaient, mais ils ont fini par pourrir. Tu es ce sel là qui va faire l'affaire. On a quoi il est un tchoum vite à faire un mambo. Est-ce que nous pouvons nous lever? Tu as besoin de chimama. Namo na yo Yesué. Namo na yo Yesué. Namo na yo Yesué. Namo na yo Yesué. Nasimba yo Yesué. Nasimba yo. Nasimba yo Yesué. Nasimba yo. Il est vivant Jésus. Il est vivant. Il est vivant Jésus. Il est vivant. Yango toko yemba. Alléluia. Yembela. Alléluia, alléluia, yango na koyemba, alléluia, koyembela, amen, komesa, alléluia, oh, alléluia, amen, mama, kolo Yesu kumama ya wenanga, mama, kolo Yesu kumama ya, kolo nanga kumama, elija.
parole éternelle Kasumbalé, ça vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagna. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes sont là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou le 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse.